La situation est critique ce soir à l'hôpital de Sherbrooke. L'urgence déborde et pour libérer des lits, la direction a décidé de transférer des patients âgés dans des CHSLD. Je joins Shani Hallé devant le centre hospitalier de Sherbrooke, centre hospitalier universitaire. Shani, le problème là, c'est que les CHSLD sont déjà pleins. Et oui, donc une situation qui est qualifiée de sans précédent par les autorités. Donc, vous l'avez dit, d'une part, les urgences débordent, mais également, on n'a pas davantage de place en CHSLD pour accueillir de nouveaux venus. Donc, face à ce problème, la direction du CIUS de l'Estrichus a dû prendre une décision importante qui aura des conséquences directement chez les patients. De nombreux lits de débordement ont donc été installés. Voici mon reportage. Moi, j'aimerais pas ça finir comme ça. Je pense que j'espère que je me rendrai pas jusque-là. Parce que... La mère de Daniel Roy est hébergée dans ce CHSLD Distingus. Depuis vendredi, le salon des résidents a été transformé en chambre avec des lits, puisqu'une dizaine de nouveaux patients ont été transférés. Qui vont aller dans le salon, mais je ne sais pas si nous, on va pouvoir aller au salon quand même, aller discuter avec nos parents, les enfants, pendant qu'il y a des malades qui vont être dans le salon qui était prévu au départ pour les usagers. Dans un communiqué, le centre hospitalier de l'Université de Sherbrooke explique vivre une situation sans précédent en raison d'une demande de services exceptionnels. L'urgence déborde à un point tel où 75 lits ont été ajoutés dans 12 CHSLD de l'Estrie depuis vendredi. Conséquence, les patients sont transférés de l'hôpital. M. Roy craint que le personnel ne suffise pas à la tâche. Ma mère, elle sent comme abandonnée. Et même moi, quand je suis arrivée, elle dit « va-t'en pas, va-t'en pas ». Elle sent vraiment insécure puis que les gens, ils s'occupent plus d'elle. La porte-parole du CHUS a confirmé à TVA Nouvelles par téléphone que les patients transférés en CHSLD ne retourneront pas dans les hôpitaux malgré la surcapacité dans les CHSLD. Est-ce que toutes les familles ont été avisées et surtout, est-ce que toutes les informations au dossier des patients, médications, allergies, ont bien été acheminées dans les CHSLD? La direction n'était pas en mesure de nous le confirmer. Je me dis qu'il devrait avoir au moins le minimum de qualité pour ces personnes-là qui sont en fin de vie. Shani Hallé, TVA Nouvelles, Sherbrooke.